Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. J'ai 41 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les deux derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour ce nouveau vlog et nous sommes dimanche. Voilà. Alix est de bonne humeur comme vous pouvez le constater. Nous aussi, puisqu'il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud, 21 degrés, donc en soi, tout le monde est ravi. Alors aujourd'hui, bah nous sommes dimanche. Généralement, les dimanches sont plus ou moins calmes. Là, on va essayer de profiter du beau temps. Et donc, on va commencer la journée plutôt de façon positive, du moins pour nous, c'est positif, car on va faire une grande brocante qui se situe sur Capelle-la-Grande. Pour ceux qui ne sont pas du coin, Capelle-la-Grande est une commune qui est dans le Dunkerquois, à peu près à 6 km de Dunkerque. On en a pour à peu près 12 minutes de voiture pour arriver jusque-là. Donc en soi, c'est juste à côté et c'est une grande brocante de 500 exposants. Donc, on va aller y jeter un œil. Eric espère y trouver ses sacro-saints jeux vidéo. Eh oui, il veut compléter sa collection. Donc, les brocantes sont l'endroit parfait. Donc on va aller avec les enfants faire un petit tour et voir si on trouve de petites pépites à ramener à la maison. Alors je vous laisse découvrir tout ça. Allez vache!
Salut, salut. Moi, je vous reprends. Il est 14h30. Alors, je vous reprends tard, tout simplement, parce qu'on a mangé dehors. On a fait une grande brocante sur Capelle-la-Grande, donc une brocante de 500 exposants. On est bien fatigué, parce qu'on a quand même pas mal marché. On a fait de bonnes affaires. Du coup, effectivement, je vais vous montrer ce qu'on a, une petite découverte. Donc on en a profité, il a fait beau, les enfants ont pu marcher, ils ont pu se défouler. Et puis on aime bien faire les brocantes, c'est notre truc, en soi. On va commencer par quoi? On va dire par le moins cher. On va faire ça. On est tombé sur des petits jouets pour Alain et Alix, parce qu'ils adorent. C'est comme ça. À 50 centimes pièce, donc on s'est pas ruiné, en fait, clairement. Alors on a un petit requin marteau. Bah oui, un baby shark. Oui, parce que pour Alan, tous les requins sont des baby sharks. N'allez pas contrarier, il est têtu. On a trouvé un en plastique tout simple, hein, en soie. Bon, je vais tout nettoyer quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais, mais en soie. On a trouvé un crocodile. Ça bouge. Ils sont ravis. C'est mou. C'est limite, on dirait pas les jouets pour chiens, vous savez. Mais ils en sont dingues tous les deux, alors en soi. Et bien sûr, l'éternel. Bah, dinosaure, comme on veut dire. Alan et Alice adorent les dinosaures. C'est une passion. D'ailleurs, ça a été sujet à dispute, savoir qui jouerait avec le dinosaure en premier. Alors, ils ont choisi ça. Bon, c'est des 10-50 centimes. On ne s'est pas ruiné non plus. Mais en soi, ils adorent ça. Les dinosaures, les bestioles, c'est leur truc. À tous les deux. Parce que pour le coup, Alix n'est pas en reste. Elle adore les dinosaures, mais elle les adore vraiment. Donc en soi, ils étaient bien contents. Ils ont leurs petits dinosaures, ils ont pu jouer et ils sont ravis. Ensuite, on a trouvé... Alors, il me fallait des chaussures pour Alix. Alix grandit, et grandit vite. Donc en fait, on lui avait déjà acheté des chaussures en 21. Sauf que ça commence à être juste. Alors, elle a à peine fait deux voire trois mois avec ses chaussures qu'il faut déjà les changer. Attends. Du coup, j'ai trouvé ce petit modèle tout en cuir de chez Absorba. Et franchement, bah, elles sont pas mal. En 22, voilà, ça se monte comme ça. Alors, elles sont toutes simples. Hein. Alors, on voit pas bien, mais c'est du rose pâle. Rose pâle nacré. Donc elles sont très jolies, tout en cuir. En soi, hein. Elles sont soupies. Du coup, Alix a ses sandales pour cet été. Et elle m'a coûté 2 euros. Bon, pareil, elle a nettoyé. Mais en soi, 2 euros pour des chaussures en cuir. Moi, je suis ravie. On voit qu'elles ont été très peu portées. Vraiment très peu. Ça se voit. Elles sont sales, mais ça se voit. Donc en soi... comme on vous dit, on est ravis. Hein. Et enfin, mon chéri s'est trouvé deux jeux. Il s'est trouvé un Batman sur PlayStation 4 à 5 euros. Pas cher, non? Hop. Voilà. Et il s'est trouvé pour 25 euros, un peu plus cher, mais apparemment, c'est une super affaire. C'est Horizon. Moi, je connais pas grand-chose sur PlayStation 5. Selon lui, c'est un jeu qui coûte plus que ça et qui est très récent. Du coup, il était ravi de l'avoir pour pas très cher. Ne me demandez pas s'il a fait une bonne affaire ou pas. J'en sais fichtre rien, je n'y connais rien. En tout cas, il est ravi et c'est le principal. C'est à peu près tout ce qu'on a acheté. On fait ça. On n'achète pas toujours quelque chose, on achète vraiment... que si on trouve vraiment des choses qui valent vraiment le coup. On essaie de pas trop se charger. Ça sert à rien puisqu'on va partir. On s'allège un maximum. Mais là, franchement, on a fait de bonnes affaires, hormis les petits jouets qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais bon, ça leur faisait tellement plaisir. Et franchement, vu le prix, on a craqué, on leur a fait plaisir et c'est le principal. Ensuite, ayant une énorme flemme, on n'avait pas envie de faire à manger ce midi, on est allé manger à Burger King.
Alan nous réclame à corps et à cri ses burgers. Du coup, il a eu son hamburger et il était ravi. Il a tout mangé, il s'est régalé. Je vais vous mettre quelques images de son repas. En tout cas, c'était rigolo. Il était ravi de son repas. Et puis, on a passé un bon moment tous ensemble. C'était le principal. Voilà. Alors, moi, j'ai pendu mon linge. En revenant. Ouais. Les petits, là, actuellement, sont couchés. Du coup, j'en ai profité pour pendre mon linge. Au moins, je peux faire ça tranquillement. Donc, mon linge sèche au soleil. En plus, il fait beau. Donc, normalement, ça devrait sécher rapidement. Ça me fait gagner du temps. Et puis, là, on va attaquer la vaisselle. Comment vous dire ? On s'arrête jamais, en fait. Ah bon, c'est le jeu. Alors moi, je vais finir ma petite vaisselle et puis je vous reprends tout à l'heure. Je ne sais pas si on va se promener ou bien si les petits vont faire un petit plongeon dans la piscine. On va voir. Ça dépendra du temps et surtout à l'heure à laquelle ils vont se réveiller. Donc ça, on verra. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire après. Voilà. C'est déjà pas mal, vous me direz, non? Allez, à tout à l'heure. Salut, salut, moi je vous reprends, il est 22h. Alors bon, l'après-midi est passé assez rapidement, je dois avouer. On n'a pas fait grand-chose cet après-midi. Après, on avait bien bougé ce matin, en soi. Les petits ont bien dormi, ils ont bien profité. Moi, j'ai travaillé sur une vidéo que je prépare. Donc en soi, on a été bien occupés tout l'après-midi. Eric, quant à lui, y a profité de cette petite pause pour réparer l'un de ses écrans, qui a un tout petit défaut que je vois à peine, mais qui a beaucoup de mal à réparer. Donc, il travaille sur son PVM, pour ceux qui connaissent. Donc, il a fait ça toute l'après-midi, quasiment. Ensuite, bon, entre les goûters, les enfants qui ont joué gentiment avec les fameux dinosaures achetés ce matin, ils se sont disputés pour ces dinosaures. Les bains, ensuite il a préféré préparer à manger, la soirée est passée vite. Là, Eric est parti travailler parce qu'il est de nuit. Donc forcément, tout est bien, travaillant de nuit, il était parti. Donc là, il est 22h30. De ranger la maison, etc. Bah, ça va vite. Donc moi, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié vous la faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire tous les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je serai ravie de vous les faire. Pardon. Je suis un petit peu fatiguée, comme vous le voyez. Je commence à être bien cernée. Je commence à être dure. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et alors, c'est le moment pour le faire. Pour vous, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous. On s'abonne à la chaîne, obligatoirement. On like et on commente chaque vidéo. Et surtout, on partage la chaîne parmi ses amis pour avoir une communauté plutôt cool. Alors, je compte sur vous pour faire tout ça maintenant. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Thank you.